La première chose à faire avant de modéliser notre chaise longue, c'est déjà d'aller chercher des références. On est donc ici sur le site de MMCité, qui est bien mmcité.com, et qui est en français. Ici, je me suis connecté, je me suis créé un compte, c'est très rapide. Et je vais chercher donc le modèle Rivage. On a juste à faire une petite recherche ici, et on tombe sur la page du modèle Rivage. Il s'agit donc de la photo dont je me suis servi pour poster sur Facebook, pour ceux qui ont vu. Ici, on a une petite base de données, on a déjà plusieurs références photos. Ce qui, dans notre cas, est très pratique parce qu'on va se baser dessus pour modéliser la chaise longue. Alors ici, on a, une fois qu'on est connecté, accès à plusieurs choses. Donc on a accès au catalogue, la partie des bancs. Moi, j'ai le catalogue papier. On a le catalogue où il y a tous les produits dessus. On a des photos du produit en haute résolution, on a des spécificités techniques, on a même les modèles en 3D qu'on peut par exemple ouvrir à côté sur Blender. Mais là, on va vraiment essayer de faire le tour de la modélisation, histoire de comprendre techniquement ce qu'on fait aussi. Donc moi, dans mon cas, j'ai téléchargé des ressources ici, on a des plans en DWG, on a des images, on a plein de choses, je vous laisse regarder. On va donc se baser sur un fichier que j'ai téléchargé ici et qui est donc en DWG. On se retrouve dans le dossier où j'ai téléchargé quelques ressources. On a ici des photos en haute résolution. Vous voyez, c'est celle dont je me suis servi, pour ceux qui ont vu le post, encore une fois. Et là, on va déjà voir quelques spécificités techniques, comme par exemple les pieds qui ont été utilisés, la section d'acier, on voit que c'est soudé ici, qu'à l'arrière, il y a un plat, et qu'on utilise des sections de bois. On a des photos de présentation qui sont très sympas, hein. C'est très pro comme produit. L'avantage, c'est que c'est toujours le même produit, mais qu'on a plusieurs références. Donc, on est sûr de ne pas se tromper. Quand on choisit de dessiner un modèle dont on a juste une photo sur Google, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de dimension, on ne sait pas ce qu'on fait, on tâtonne sur une seule image, alors que là, on peut vraiment virtuellement déjà faire le tour du produit. Ensuite, j'ai téléchargé un plan en DWG. Alors la petite info, si vous voulez ouvrir des DWG gratuitement, je vais vous montrer. C'est le logiciel Autodesk DWG TrueView. C'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. La particularité, c'est qu'on ne peut pas faire de modifications dedans, mais on peut déjà utiliser l'outil de mesure. On peut gérer un peu les accrochages, je vous laisse regarder. Dans mon cas précis, je vais m'en servir pour prendre différentes dimensions, mais pas sur ce plan-là. Sur un plan de fondation qu'on a ici. Donc là, je l'ai pris en PDF également pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est un plan où on voit de quelle manière le banc est fixé. Il y a beaucoup d'infos techniques. C'est très pratique. Et vous remarquerez que on est sur un produit qui vient de République tchèque. Donc on a toutes les traductions qu'il faut, on voit que c'est un modèle déposé, tout ça, donc il n'y a pas de souci normalement pour le modéliser. On a les codes généraux du produit, et on va se baser dessus pour retirer quelques dimensions. Là j'ai extrait le DWG de l'archive, et on va l'ouvrir de nouveau avec DWG TrueView. On a ici un document qui n'est pas à l'échelle, Donc c'est tout simple, moi j'ai déjà fait mon calcul à l'avance. Je vous montre rapidement comment faire, on va pas prendre toutes les cotes, moi je les ai déjà prises en amont. Je vais vous montrer ici par exemple, là vous prenez une cote, et elle est affichée ici. On a 81,4. On ouvre la petite calculette. Et là, si on tape 81,4 x 20, on tombe bien sur la cote qu'on a ici. 1628 mm. Donc pour toutes les cotes ici qu'on va prendre, je vais faire simplement un rapport de 20 pour avoir toutes les dimensions. Je vous montre pour celle-là la procédure. J'appuie sur mesurer. Ici, je vais mettre en accrochage milieu, ce qui va me permettre de mettre ici et là. Donc là, j'ai la cote en bas, 3,5. Donc x 20, je vois que c'est une section de 70. Et ainsi de suite, je vais récupérer toutes les données techniques afin de le modéliser et d'être à peu près correct. Voilà pour la partie prise de mesure. Donc vraiment, s'il y a quelque chose que vous maîtrisez pas ou une cote que vous n'avez pas, il suffit encore une fois, vous avez juste à mesurer. Il y a les accrochages qui se gèrent ici. On peut avoir par exemple la longueur de la planche. On voit que c'est 30 et encore une fois, c'est écrit ici, c'est 600. Donc là, je vous laisse vous éclater si vous avez besoin d'infos techniques.
On a vraiment tout ce qu'il faut, c'est très carré. On continue. Je vais me servir de Photoshop et je vais prendre une vue ici, de côté, dont je vais me servir pour tracer par-dessus. Donc je vais l'enregistrer sous en JPEG et je vais pouvoir m'en servir comme image de fond. On a ici un nouveau projet dans Fusion qui s'appelle Chaise Longue Rivage, dans lequel je vais venir insérer une image de référence, donc un canevas ici. J'insère à partir de mon ordinateur et je vais aller chercher mon image. Je sélectionne mon plan, et encore une fois, on adapte à peu près la première fois, on se met bien en face, et on vient cliquer ici avec le clic droit et on met calibrer. On vient prendre notre code qui est là. Hop. Un deuxième point qui est là. Et on vient taper cette cote 1628. Et automatiquement, le canevas va se mettre à l'échelle. On le repositionne une deuxième fois pour qu'il soit à peu près avec l'origine au niveau du sol. Voilà. Là, on est bien. On va pouvoir commencer à dessiner. Je crée une nouvelle esquisse. Je me mets sur le plan de face. Et je vais commencer maintenant à tracer. On va se servir ici d'une fonction de balayage. Donc je vais me mettre là, je vais tracer. Je vais créer un nouveau plan de référence le long de la trajectoire. On va le mettre ici, c'est bien. Et là, on va venir tracer notre profil. Profil que j'ai eu dans DWG TrueView. Je vous montre encore une fois comment faire. On sait qu'on a une section de 70. Je viens juste chercher la largeur ici. Donc, on se positionne là. On a 2 x 30 x 20, c'était. On a 40. Donc, c'est du 70 par 40. On a ici notre profil. On vient se positionner là. On s'aligne bien. Et là, le long de l'origine, hop, on va venir tracer notre rectangle. Donc c'est sur le plan là. On a 40 par 70. Et on vient positionner ici l'origine en maintenant CTRL au milieu. C'est le triangle. Petite parenthèse, quand on travaille avec des logiciels comme SolidWorks, on a des profils déjà dans la bibliothèque. Et on se sert d'une fonction qui s'appelle la mécanosoudure, les constructions soudées. Ici, j'ai pas encore fait le tour, donc je sais pas, je vais tracer le profil à la main. Je vais vous montrer encore une fois comment faire pour avoir le rayon. On se positionne ici, on mesure un rayon, et on appuie sur le rayon. On a 0,3, 0,3 x 20, on a un rayon de 6. Donc on va venir tracer ici un congé de 6 mm plusieurs fois tout autour. Donc là, je peux cliquer sur les trois de la suite, à la suite, et voilà. Voilà. Et on termine ici l'esquisse. Encore une fois, dans SolidWorks, on a ce qu'on appelle la fonction mince qui aurait permis directement de mettre 4 mm. Ici, je vais devoir le faire à la main et je vous montre comment je fais. Donc je retourne dans mon esquisse ici avec clic droit. Je modifie l'esquisse, je sélectionne tout et je vais ici dans décalage. Et je mets 4 mm. On appuie sur inverser et on a notre profil. On retourne dans le balayage. On choisit notre profil et notre trajectoire, nouveau corps. Et là on est pas mal, je vérifie juste qu'on a bien une orientation. Je regarde ici, perpendiculaire, c'est bien. Et voilà pour notre première section. Pour continuer, on va aller voir quelques références. En zoomant un petit peu, on voit que on est bien fermé à l'avant. Et je pense qu'on est fermé sous le dessous et on est venu souder un écrou qui a lui aussi été peint. Donc on va tout de suite faire ceci. Au niveau des coupes, on crée une nouvelle esquisse. On se met sur le plan de face et on va venir découper en traçant ici
Je pense qu'on peut prolonger jusqu'au bout. En ayant bien quelque chose de horizontal. Voilà. On vient fermer notre profil. Rendre ça perpendiculaire. Et ici, on appuie sur E. On entre automatiquement dans l'option d'extrusion. Ici, on peut mettre symétrique. On fait large. Ici, c'est vraiment pour couper cette pièce ici. Donc, il n'y a pas de souci. Et on obtient ceci. On va venir maintenant fermer. Alors, pour fermer, il faut s'imaginer qu'en fait, ça va être une tôle qui va être découpée, posée dessus et soudée. Donc nous, visuellement, on va juste voir quelque chose de fermé. Alors, on crée encore une esquisse. On se met sur le plan de face. Et on va venir tracer d'ici. Quand vous êtes parti loin et que vous savez plus trop où vous êtes comme ça, vous appuyez deux fois sur le clic du milieu et ça va venir recadrer la pièce en cours de construction. On va déjà mettre là comme ça. Ici, on va se positionner au milieu. On va tracer une ligne de construction de là à ici. Ici, on appuie sur X pour passer en construction. Et on va venir mettre ça au milieu. On appuie sur E. Ah, ici, il faut fermer, oui. Donc là, on va juste venir faire un décalage intérieur. On s'imagine avec une tôle de 4 mm. Histoire d'avoir quelque chose de constant. Et là, on va la contraindre à l'arête qui est là. Et à l'arête qui est en bas. Ici. Il veut pas. Alors je vais faire autrement. Donc on refait un décalage. Je vais simplement le fermer pour que ce soit propre. Enlever cette contrainte. Parfois, les esquisses, c'est un petit peu capricieux, hein? Voilà. On y est arrivé, ouf. Là, on va venir extruder. Encore avec la touche E. On fait ça des deux côtés. On va mettre symétrique. Tout ce qu'on veut, nous, c'est vraiment avoir une fusion des corps. Donc, on met ici joindre. On accepte et vous voyez, c'est fermé comme sur la photo. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on en est là, on remarque qu'il va nous falloir un écrou pour le positionner en dessous de notre structure qui va être soudé avec et qui va être peint. Pour trouver tout ce qui est composants mécaniques, écrous, vis, fixation de plusieurs fournisseurs, je vous conseille un très bon site, c'est Tracepart. Il suffit de se créer un compte et vous avez accès à une bibliothèque de fichiers 3D vraiment immense. Vous voyez, c'est écrit en bas, on a énormément de produits, de références, c'est vraiment incroyable. Donc par exemple, ici on cherche un écrou, il suffit de taper écrou M10 par exemple. Il y a énormément de choses. Après, il va falloir apprendre à se guider. Il y a beaucoup de références. Il y a beaucoup d'options sur la gauche qui vous permettront forcément de trouver ce que vous cherchez. Dans ce cas-là, c'est un écrou basique, un écrou ISO 4032. Ça fera très bien l'affaire. On obtient une vue 3D sur le côté qui confirme que c'est bien ce qu'on cherche. Plusieurs options ici. On va pouvoir vraiment encore cliquer pour affiner.
Là, moi, je reste sur cette sélection. Et là, une chose qui est vraiment super, c'est qu'on peut choisir ici tous les moyens d'export qu'on veut. Il y en a vraiment beaucoup. Je vous laisse regarder, c'est vraiment incroyable. Là, dans mon cas, je vais tout simplement prendre Fusion 360. Je télécharge. On a ici la notification comme quoi c'est en route. Et on voit que c'est en cours de préparation. Une fois que c'est terminé, on clique dessus. Et on a un nLauncher. Je vous montre ce que ça fait. Quand on appuie dessus, automatiquement, il va venir ouvrir Fusion et rajouter un nouveau composant sur une nouvelle fenêtre qu'on aura juste à intégrer. Dans mon cas là, je vais le sauvegarder et je vais pouvoir l'intégrer à mon assemblage. Alors pour ça, c'est tout simple. On ouvre ici le menu sur la gauche. Là, on a l'écrou que j'avais tout à l'heure. Et on va venir le glisser tout simplement ici dans l'assemblage. Et ensuite, on va pouvoir venir le positionner au bon endroit grâce aux petites options qui sont là. C'est très pratique et ça marche très très bien. Là, je vais le faire à l'œil. Pour les plus pointilleux, on peut même rajouter des contraintes. C'est vraiment complet. Donc là, je valide et j'ai bien mon écrou sur le dessous de ma construction. Pour le deuxième écrou, on va cliquer ici sur déplacer copier. On va prendre ici composant. On clique sur notre composant, on appuie ici sur créer une copie. Ça va créer une copie qu'on va venir positionner de l'autre côté sur le dessous. On se met en vue avant pour bien s'aligner. Pour être plus précis, on peut encore une fois afficher l'image de fond et on valide. Je suis pointilleux, je suis allé voir sur la doc et j'ai changé les écrous, je les ai passés en M12 parce que c'est ce qu'il y avait sur le plan. Donc maintenant, on est correct. On va venir créer cette section qui est là et ce plat qui est derrière. Pour ça, je vais aller voir les dimensions et on va le dessiner. Après consultation, on a du 50 par 50 de la même épaisseur, 4. Et ensuite, on a un plat de 50 par 8 à l'arrière. Donc, je vais le dessiner sans perdre de temps. La particularité, c'est qu'on se trouve ici sur le plan qui est à l'arrière. Donc, je vais créer un nouveau plan. Je sors de l'esquisse. Un plan de décalage avec cette face ici de la moitié du profil, donc 25 mm. Et je vais me servir de ce plan pour dessiner dessus. Je vais aller jusqu'en bas ici. Et je vais tracer jusque là. Je le mets ici en coïncidence. D'abord, je projette ici cette face. De manière à ce que quand je cache le corps, j'ai ici une contrainte que je peux appliquer. Et je vais venir le positionner le long du profil, là et jusqu'ici, alors je vais mettre plutôt sur le dessus, c'est-à-dire ici, je valide, je crée de nouveau un plan le long de la trajectoire, et cette fois-ci j'ai du 50 par 50, donc là, je vais le dessiner de nouveau sur le dessus. Je cache le canevas et je trace comme ça. L'origine contrainte au milieu. On appuie C hein, pour aller plus vite pour mettre les cotes, les cotations. C'est le raccourci. Je vais mettre comme avant les 4 arrondis en une fois de 6 mm. Je sélectionne tout, je fais un décalage de 4 mm. Et je fais un balayage. On sélectionne ça et le chemin. On le rend visible, sinon on ne le voit pas et on voit qu'on est très bien. On va venir ensuite le couper en bas et en haut. Donc là, on se remet sur notre plan de construction. Qu'on ne voit plus parce que comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on utilise un plan,
Alors, j'ai dit dans une autre vidéo, quand on utilise un plan, une esquisse et qu'on crée une fonction, il a tendance à les effacer, une fois que la fonction est terminée. Histoire de ne pas en avoir trop à l'écran. Je vais venir simplement tracer ici, en projetant ici ce côté. J'ai oublié de valider, je crois. Donc je sélectionne ça, je valide, et là je vais le tracer en fonction du canevas. Donc là, à peu près, hop, on est pas mal. Ici, c'est des esquisses de découpe. Moi, je les fais propres, mais si elles sont pas, si elles sont fermées, mais que c'est pas parfait, ça va aussi, hein, ça fonctionne. Là, je vais juste venir fermer ici. Et j'appuie sur E, encore une fois, symétrique. On sélectionne nos deux profils et on vient les décaler pour couper. On enlève le canevas et on voit que le résultat est pas mal. On va venir maintenant tracer ici le plat. Toujours sur le même plan. Avec le canevas en route, j'accélère un peu la cadence. Ici. Là, je vais créer un point. Et ce point va me servir de guide en se mettant ici au milieu et en contraignant ici à la droite. Je peux mettre une cote, histoire d'avoir la même cote qu'ici. Et encore, c'est contraint au sol, donc je vais essayer d'avoir pareil. 916. On n'est pas parfait, mais c'est parce que je dessine par rapport à une image. Donc pour être plus précis, là c'est vraiment pour vous expliquer la méthode. On termine l'esquisse. On fait ce qu'on a dit tout à l'heure. Un profil de 50 par 8 sur ce plan. Là, j'ai pris ça parce que j'ai pris ce modèle parce qu'on a plusieurs fois la même chose qui revient et ça permet de se familiariser avec le modèle aussi et avec les fonctions. Vous voyez, on a utilisé plusieurs fois les mêmes fonctions, traçage d'esquisse et balayage. Au moins, on se familiarise. Ah, je vais le tracer comme il était, c'était bien. Voilà, après c'est des petits détails, ça faut corriger pour que ce soit propre visuellement. De toute manière, c'est meulé et c'est soudé derrière à l'atelier. Donc ça c'est vraiment pour le design. Ici je pense que c'est fermé. Donc je vais le fermer, voir pourquoi ça l'a coupé comme ça. Oui, c'est parce qu'on aurait pu... Vous voyez ça, je vais vous montrer, on peut revenir en arrière tranquillement dans une fonction. Et vous voyez, on peut modifier comme ça la main si on veut que ce soit moins grand par exemple. On valide, lui il se met à jour automatiquement. Donc c'est très pratique de revenir dans l'arbre et de faire quelque chose de propre comme ceci. En cherchant sur les photos, j'ai vu qu'ici c'était coupé droit. Donc là on a bien la section ici qui est coupée là le long du profil. Donc pour ça dans Fusion c'est très pratique. On va revenir ici en arrière dans l'arbre. En cliquant là sur l'esquisse 7, qui est celle qui nous concerne, on voit qu'elle se met en surbrillance ici. Donc si on revient en arrière, on va pouvoir la modifier et changer sa longueur en cachant un petit peu le corps. Ici, on va vouloir l'allonger. On voit que la contrainte se met toute seule. On va l'allonger de 30 mm, pardon. On termine l'esquisse et quand on revient en arrière, au niveau du balayage, on va pouvoir prolonger en sélectionnant un chemin plus long, comme ça. Et en allant à la fin, on voit qu'automatiquement, notre coupe, elle est propre. Donc là, on est vraiment fidèle à l'image, on est bien.
Une deuxième observation montre que la structure en acier est vraiment solidaire au bois. Donc c'est le bois qui fait la jonction entre les deux. Donc dans notre cas là, il nous reste juste à tracer les planches et la jonction se fera automatiquement. Sur la mise en plan, on va pouvoir récupérer la distance entre les deux pieds. Donc on est à 26. 26 x 20, on est à 520 mm d'espacement. Donc là, on va pouvoir décaler ici les corps en faisant une symétrie. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Si on sait qu'on a 520 à l'intérieur des deux pieds, donc ici, on peut créer un plan de décalage ici qu'on va décaler de 520 divisé par 2. On peut taper directement les calculs dans le champ de saisie. Et en créant ici une symétrie, miroir du corps ici, ici. On peut même mettre composant comme ça. On va le faire en deux fois, parce que là, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie. Donc on va déjà faire un corps, là et là, par rapport à ce plan. En créant un nouveau corps et une deuxième fois en faisant une symétrie de composants, toujours avec le même plan, en sélectionnant nos écrous. Tiens, il veut que faire un après l'autre, donc on va le faire un après l'autre. Il y a des petites choses comme ça qui pour moi pourraient être améliorées, mais après ça dépend de votre affinité avec le logiciel. Moi je trouve qu'il y a des choses qui pourraient aller un petit peu plus vite. Donc là maintenant, on va tracer par rapport au canevas les sections en bois. Je vais récupérer la cote. Pour la première section, on a 104. Et pour la deuxième, on a 104 par 34, 104 par 34, et on a un rayon de 10 mm. Donc 104 par 34, il n'y a pas de souci, on va le tracer sur le plan de face. Donc là, on va tracer 104 par 34. Et on va mettre 90. Ah, attendez. Appuyez sur Tab, vous tapez 90 degrés, 34, et le point se met automatiquement au bon endroit. Le reste, c'est que de la contrainte de perpendicularité ici, et celle-là, voilà. On va le contraindre, on va d'abord projeter ici avec P cette section pour pouvoir cacher le corps encore une fois, le canevas, pour bien contraindre les deux là. On vient ajouter le congé de 10 mm. Et là, on est pas mal par rapport au plan. Je pense qu'il y a une erreur entre les millimètres et les entre les diamètres et les rayons. Je sais pas si j'ai mal mesuré, mais dans tous les cas, visuellement, je pense qu'on est plus à 5 qu'à 10. Remarquez que Fusion a tendance souvent à clignoter comme ça. Moi, je trouve ça agaçant, mais on peut cacher les plans de construction si on a mal aux yeux. On va pouvoir ici, avec cette esquisse, tracer une extrusion. On va mettre ici... On peut démarrer à partir de cet objet. Voilà. Et on peut aller jusqu'à cet objet. Sans cotation. Juste avec des sélections. Et vous voyez qu'on est juste. On vérifie sur l'image si on est correct. Et pour l'avant, on est pas mal. Ça colle, même visuellement, on est bien.
pense qu'ici, pour la fabrication, je ne pense pas qu'il y ait d'arêtes vives comme là. Donc on va venir appliquer un petit congé. Quelques millimètres. C'est vraiment un sablage fait à la main, j'imagine. Je vais mettre 3 mm ici. Et je vais le mettre ici aussi, 3 mm. Voilà. Ensuite, je vais faire ça avec une répétition linéaire ici pour se retrouver à peu près là. Je vais juste voir l'espacement qu'il y a entre deux planches. Je suis à 0,5, soit 10 mm. Donc là, je vais faire en fait un réseau linéaire. La direction, ça va être cette esquisse qui est là. Et je vais comme ça jouer avec les options jusqu'à ce que j'ai quelque chose de correct. Donc là, il y en a 5, je mets 5. Et je vais mettre comme ça. Là, je le fais visuellement encore une fois, hein, je vous laisserai mesurer. Moi, je le fais vraiment parce que c'est un produit qui est avant tout esthétique. Vous voyez, là, on est vraiment propre. Et je vais continuer comme ça à tracer le reste sur le même principe, c'est-à-dire les 4 qui sont ici. Et ensuite, on fera la même chose avec les petits. Voilà, on a fini de tracer les planches. J'ai encore une fois fait une petite modification, et oui. J'ai vérifié sur le plan et on est en fait à 110 par 34. Alors j'ai dû faire une petite erreur. Donc là, j'ai corrigé de nouveau tout. Encore une fois, très simplement en revenant dans l'arbre. On peut tout modifier et on a quelque chose qui correspond un peu plus. Si vous demandez pourquoi c'est comme ça, c'est parce que lors de l'impression PDF, si on peut dire, du DWG à PDF, ça dépend de l'épaisseur des lignes que l'interprète. Quand je l'ai récupéré dans Photoshop, il m'a donné des lignes très épaisses. C'est pour ça que c'est pas toujours très correct visuellement, mais au niveau du plan, si on cache le canevas, je trouve qu'on est pas mal. On a vraiment quelque chose de très propre. Donc on peut continuer. C'est parti, on le trace. Donc on va se mettre de nouveau sur le même plan, c'est-à-dire le plan de face, puisqu'avec les décalages, on peut corriger derrière. Et je vais le tracer comme ça. D'abord à main levée, si on peut dire. Je vais projeter cette ligne. Et vraiment, une fois qu'on a les lignes projetées, il ne faut pas hésiter à cacher les corps. Même les canevas, si ça gêne. On veut vraiment garder que l'esquisse sur laquelle on est en train de travailler. Alors, pour faire des contraintes perpendiculaires, on peut aussi faire comme ça. Et on sélectionne les deux. On vient positionner ça comme ça. On lui donne la cote, 48 par 30. Oh, pas comme ça. Il faut toujours faire attention qu'on soit bien, non pas aligné comme ça, mais parallèle. 48 par 30. On raffiche le canevas pour se positionner au bon endroit. Voilà, on va mettre une petite cote au niveau de l'extrémité
Voilà. Décale un tout petit peu. Voilà. On appuie sur E, on choisit notre profil et on réaffiche notre corps. On enlève le canevas. Faut savoir jongler entre les deux. Hein. Alors ici, on voit que l'esquisse n'est pas du tout au bon endroit. Encore une fois, c'est pas grave grâce à l'option d'ici. On peut sélectionner ça. Et aller ici. Et on voit que malgré le fait que l'esquisse ne soit pas forcément au bon endroit, il prend quand même en compte ce qu'on vient de lui dire pour faire ça proprement. Je vois que j'ai oublié d'ajouter les congés, c'est pas grave. La construction paramétrique nous permet souvent de revenir en arrière. C'est même un peu le but de la CAO. On travaille visuellement et techniquement en même temps. Je vais rajouter de nouveau un congé ici de 3. Et un de l'autre côté aussi de 3. Voilà. Comme ça, il n'y a plus qu'à répéter. Visuellement avec le canevas, on refait un réseau. Alors ici, on voit que quand on veut répéter et qu'on sélectionne ça, on a tout ça qui devient bleu. C'est parce qu'au moment où on a extrudé cette pièce, on a ici joindre qui a été activé. Donc en fait, ça va fusionner les deux corps. Fusionner les deux corps, ça peut être très pratique dans certains cas, mais là, on veut pas. Donc on va mettre nouveau corps et on valide. On a donc bien deux corps distincts. Et là, on va pouvoir faire notre répétition. Alors, je suis pas au bon endroit. Hop, là. On met la direction ici. On compte sur le canevas combien on en a. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on tape là 11. Le nombre qui est ici prend toujours compte du premier qui est là. Donc si on en a 11, il faut aussi compter celui qu'on est en train d'éditer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on a bien 11, ça colle. On va surtout voir comment on est sur le dernier. Et on valide. N'oubliez pas de sauvegarder. CTRL S, c'est très important. Ça permet de ne pas perdre son travail. Là, on est pas mal. Je regarde juste comment on est sur le vrai modèle. Toujours garder l'image de référence de côté. Ça permet de s'y référer quand on a un doute. Donc là, on est bien décalé ici. On n'a pas le même décalage que là, ni là. Donc là, on est plus grand. On est correct. Je vais retracer encore avec la même méthode. Une fois que vous aurez fait ce tuto et que vous l'aurez réalisé de votre côté, je pense que vous aurez après l'habitude de se servir de ces quelques fonctions. Et voilà pour la modélisation de la chaise, on est pas mal. Sauvegardez. Je vais juste vous montrer encore l'élément qu'on peut mettre en dessous ici, on va le contraindre. Comme ça en même temps on fera un petit tour sur les contraintes. Moi j'ai fait mes petites recherches et je suis tombé sur ce modèle. Qui est en fait un pied en acier avec une tige filetée et une semelle en caoutchouc sous le dessous. On va juste sélectionner ici M12. Au niveau de là des dimensions, on a H2 qu'on peut sélectionner entre 60, 80 et 100. Quand on appuie là sur la petite règle, on voit à quoi correspond H2. Ici, c'est la longueur de la tige. Et si on va voir sur le plan, donc là, on a 1,5, donc on a une tige de 40. Donc si on prend le 60, c'est très bien. Donc pour moi, c'est bon. On vérifie là, on est bien. J'appuie de nouveau sur télécharger. Et j'ai ici mon fichier qui va arriver. Il va nous l'ouvrir dans Fusion. On l'enregistre. On va l'appeler pied réglable 01. Et on enregistre.
comme tout à l'heure, on attend qu'ici il ait fini d'enregistrer. Et on va venir le glisser dans notre assemblage, comme ça. Là, on peut déjà le positionner à peu près au bon endroit. En se mettant ici. Je vais le monter un petit peu, je vais le mettre comme ça. Voilà, on est pas mal. Pour copier le composant, on appuie ici sur déplacer, copier, on sélectionne composant, on appuie sur créer une copie et on vient le glisser jusqu'à l'autre côté. Voilà, et ensuite on vient refaire une symétrie comme tout à l'heure. Objet. On sélectionne les deux. Je sais pas, tout à l'heure j'arrivais pas. Cette fois-ci j'arrive de nouveau. On affiche notre plan milieu et on clique. Ça nous positionne les écrous au bon endroit. Les pieds réglables. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fixer à l'arrière avec des vis à bois. Ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut vraiment, quand on voit quelque chose, le modifier à l'œil et tout s'adapte très rapidement. Voilà. Visuellement, on a déjà notre modèle rivage qui est vraiment pas mal. Après, ça va être des petits détails de conception. Donc là, on va venir déjà chercher la vis qu'il faut. Là, j'ai ma vis à bois que j'ai encore une fois juste à télécharger. C'est du 5x30. Je vais l'enregistrer sous vis bois 5x30. Là, on va se mettre ici. Et on va tracer notre premier trou de... Pour que du 5 passe, on va mettre 5,5. On va venir faire de la construction d'ici à là. Et du milieu qu'on va projeter avec la touche P, encore une fois on va se mettre ici. Vous voyez, ça clignote, c'est parfois gênant quand on travaille d'avoir toujours ces plans qui clignotent à longueur de journée. C'est pas toujours facile, mais je pense que vous avez aussi remarqué. On prend les deux lignes de construction, on appuie sur X et là on est propre. Donc on rappuie sur E. Donc là, j'ai caché mes esquisses, c'est pour ça que je ne le vois pas. Là, je vais mettre un plan milieu symétrique. Et ici, je vais dans couper. Pour ne pas couper ma planche en même temps, je vais dans objet à couper ici. Et lui, il me donne le nom des corps. Donc le premier qu'on a créé, c'est le corps 2. Si on veut vraiment, on peut aller vérifier. En cachant le corps 2, c'est bien lui. Donc on veut couper le corps 2, mais pas le corps 29. Et voilà, on obtient un trou. On va venir le fraiser à 45. Donc là, je vais juste regarder visuellement. Je vais mettre 2 mm. Ça se trouve dans des abacs. Là, je vais pas le faire, c'est un peu long. Mais vous trouvez dans des abacs le trou à faire exactement pour pouvoir mettre la bonne vis. Ici, on va déjà voir si ça colle ou pas quand je vais apporter la nouvelle vis. Là, je vais volontairement laisser la vis où elle est, au niveau de la position, pour vous montrer les contraintes. Alors, pour les contraintes, je vais cacher un petit peu tout ça. Là, j'ai beaucoup de choses à l'écran. Alors, pour commencer, on va cliquer ici sur liaison. On va prendre le cylindre ici. Voilà. Et on va prendre le deuxième cylindre qui est ici. On va mettre ici une contrainte cylindrique. Et on va voir qu'il va avoir tendance à bouger les éléments fusion. Je pense que c'est pour montrer
le résultat de la contrainte, on va parler des degrés de liberté, je pense. C'est le but. Après ici, j'aimerais bien la retourner, mais à mon avis, il y a peut-être un bouton. Voilà. Donc là, au niveau de la contrainte dans cylindrique, moi, je suis bien. On voit qu'elle peut en plus tourner sur elle-même, donc c'est très bien. Je valide. Et quand je vais venir me mettre contre, je vois que là, au niveau de ma tête fraisée, je suis pas mal. Je peux mettre un petit peu plus. 2,2. 2,5. Sachant que c'est une opération sur de la construction soudée comme ça qui va être faite à la main. Donc là, je suis pas mal. Je mets ma vis. Voilà. Et là, le résultat est correct. Je vais rester comme ça. Donc là, pour la vis, pareil, hein. J'en fais qu'une. La seule chose à retenir, c'est que si on veut ici venir visser à l'arrière là, il va falloir faire un trou sur cette face pour pouvoir passer le tournevis ou la visseuse. Donc le trou là sera un peu plus grand, il y aura le même trou qu'ici de l'autre côté avec le fraisage. Et comme ça, on va l'avoir sur tout le long. On a notre chaise rivage. Avec tout ce qu'il faut, les éléments de construction et une modélisation propre. La prochaine étape, ça va être de récupérer ce fichier. Pour ceux qui ont envie de découvrir un petit peu Blender, on va l'exporter en STL et on va l'importer dans Blender où on va lui appliquer les textures. Une fois qu'on aura la texture de bois, l'acier et tout qui sera vraiment proprement intégré, comme par exemple ici le repositionnement de l'origine, pour par exemple ceux qui ont envie de l'imprimer en 3D, on sait jamais, hein, un petit modèle réduit, ça on le verra dans le prochain tuto. Et on va aller un petit peu plus loin sur ce modèle, c'est que on va l'intégrer dans un environnement en temps réel fait sur le logiciel Unreal Engine. Pour ceux qui connaissent pas du tout, je vous invite à regarder le tuto et jeter un petit coup d'œil histoire de voir ce qui s'y fait. On va pouvoir, dans un environnement en temps réel avec de la nature, le soleil, l'environnement, créer une petite prise vidéo très réaliste qui va vraiment mettre en avant le produit. Mais ça, je vous laisse voir dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. C'était un petit peu plus long que prévu parce que j'ai vraiment insisté sur les fonctions. Je vous ai pris un peu de votre temps et je vous remercie d'avoir suivi. En attendant, je prépare déjà l'export et l'intégration dans Blender pour le prochain tuto. Et je vous dis à bientôt.